Salut, salut! Bienvenue pour un nouveau vlog et j'espère que je vais pas m'emmêler les pinceaux. Pour vous, normalement, ça devrait aller, mais pour moi, ça va être compliqué en termes de montage puisque je commence ce vlog. On est le jeudi 6 juillet, donc j'ai pas fini le précédent. En fait, j'ai hésité à soit mettre ce que je vais faire là et ce que je vais vous dire là dans le vlog précédent et du coup en recommencer un quand je ferai le week-end à 800 ce week-end, mais je préfère vraiment tout mettre le week-end à 600 et le week-end à 800. Dans un seul et même vlog, je sais pas, j'ai décidé de faire ça. Et j'ai envie de faire ce que je veux faire là maintenant tout de suite. J'aurais pu aussi ne pas le vlogger, mais je sais pas, j'avais envie de le vlogger. Bref, je vais rien faire de fou. Je viens de faire un truc administratif relou que je repoussais depuis des semaines, des mois. Oui, des mois, je pense. Donc là, je me suis enfin dit, vas-y. Genre, en gros, je me suis levée et je me suis dit, vas-y. Soit tu te laves les cheveux, soit tu fais le truc administratif chiant. Bizarrement, j'ai choisi de faire le truc administratif chiant parce qu'il était temps vraiment que je le fasse. Autrement dit, mes cheveux sont sales, mais c'est pas grave, vous allez vous en remettre. Je me suis pseudo-coiffée pour essayer de ressembler à quelque chose et qu'au montage, j'ai pas envie de m'arracher les cheveux, littéralement. Mais bref, et donc là, je suis, comme vous pouvez le constater, devant ma pâle, dans ma chambre. Parce que je l'ai dit dans une vidéo que j'ai tournée il y a pas très longtemps, je sais pas quand est-ce que vous l'aurez eu, l'espace-temps c'est compliqué dans ma tête par rapport à la sortie des vidéos. Mais en gros, il y a quelques mois, je m'étais engagée. Ah oui, précision avant que je. Voilà, on va parler du Pumpkin. Voilà, on va parler du Pumpkin Autumn Challenge, organisé tous les ans, du 1er septembre au 30 novembre par Guimauze. Voilà, on est au mois de juillet, mais bref, on va parler de ça. Je m'étais engagée au début de l'année, ouais, au début de l'année, je crois, à être raisonnable cette année dans le nombre de livres que j'allais mettre dans le Pumpkin, parce que j'ai tendance à mettre énormément de livres dans le Pumpkin. Et à pas tout lire, évidemment, parce que je ne peux pas tout lire, voilà, ça ne marche pas, c'est pas possible. Donc je me suis engagée à être raisonnable, mais plus les mois passent et plus le pumping approche et plus je sais qu'en fait je vais pas du tout être raisonnable et que je vais, comme chaque année, mettre un livre par sous-catégorie par mois. Ce qui fait, je crois qu'il y a 4 menus avec 3 ou 4 sous-catégories à chaque fois. Donc il y a minimum, en fait il y a 12 à 16 menus, à 16 catégories dans le menu et donc je mets 12 à 16 livres par mois. Évidemment, je suis incapable de lire tout ça. Mais je me suis dit que j'allais anticiper cette année, parce qu'à force, je connais le challenge, je sais comment je réagis par rapport au challenge, et je sais ce qui se passe, tu vois. Donc je me suis dit que j'allais anticiper, c'est pour ça qu'on est là au mois de juillet et qu'on parle du pumpkin. Je suis devant ma pile, parce que je vais sortir tous les livres qui vont se lire vite, les livres en gros de 200 à 250 pages, mais surtout des livres jeunesse, des livres illustrés. Genre, s'il y a un livre qui fait 250 pages, mais que je sens que je vais pas pouvoir le lire rapidement, je vais pas le sortir. Je vais principalement sortir des livres jeunesse, des livres illustrés, des livres qui vont se lire vraiment très très vite. Et d'après mes calculs, en fait, je voudrais mettre la moitié des livres que je vais mettre dans le. Enfin, je voudrais que la moitié, je vais essayer de faire une phrase française parce que là on comprend rien. Je vais essayer de faire en sorte que la moitié des livres que je mette dans le Pumpkin au global, donc sur les 3 mois, ce soit des livres faciles à lire. On parle pas de graphique ici, c'est pas la question. Et donc pour ça, il faut que je sache combien j'en ai. Et il faut que ce chiffre soit divisible par 3. Oui, mais j'aime bien compliquer la vie. Soit divisible par 3 pour que je puisse mettre le même nombre de petits livres sur tous les mois. Ouais, c'est très compliqué, mais en fait, c'est pas. Voilà. En gros, là, je vais juste faire une pile, littéralement, de petits livres qui sont dans ma pile. Les compter, je vais aller vérifier le nombre de catégories qu'il y avait dans le Pumpkin la dernière. Parce que je sais plus trop s'il y a 3 ou 4 sous-catégories par menu, comme je l'ai dit, il faut que je vérifie ça. Et en gros, pour les moins matheux d'entre vous, je vais prendre le nombre de catégories totales qu'il y a dans le Pumpkin, je vais diviser ces chiffres par 2 et je vais les multiplier par 3. Peut-être que les moins matheux d'entre vous, je les ai déjà perdus, mais en gros, ça va me donner le nombre de petits livres que je veux dans ma pile. Et comme on est au mois de juillet, si j'en ai pas assez, j'ai le temps d'en commander, d'en trouver, voyez, pour compléter ma future pile du Pumpkin que j'ai pas encore faite. Bref. En gros, je vais sortir des petits livres. Donc là, j'en ai déjà 2. Je les ai achetés récemment. Vous les avez vus dans le book haul. Celui-ci, il est quand même assez dense, assez long, il me semble. Mais c'est quand même de la jeunesse. Et ça fait quand même que. Attendez, est-ce que les dernières pages sont pas numérotées? C'est hyper relou. Ça fait quand même que 152 pages. Donc en vrai, franchement, ça devrait aller. C'est pas vraiment illustré. Et c'est quand même un grand livre avec beaucoup d'écriture. Mais bon, 150 pages, ça devrait le faire. Donc c'est Détective Globetrotter, le tome 1. Le crime de Whitechapel de Roselyne Pendule. Il me fait trop envie. J'avais trop envie de le mettre. Enfin, de le lire au mois de juillet, mais je vais le garder pour le Pumpkin, je me dis que ça collera forcément pour le Pumpkin. Et il y a aussi celui-là, Madame Pamplemousse, c'est bien un tome 1, j'ai vérifié. Donc Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices de Rupert Kingfisher.
Voilà, là pour le coup, il y a quelques illustrations, c'est écrit un peu plus gros, c'est un peu plus aéré, et ça fait un peu plus de pages. Ah bah non, ça fait 126 pages. Donc, vous voyez, c'est ce genre de livre que je veux pour avoir la moitié du Pumpkin en mode lecture facile. Parce qu'à côté, je sais que je vais mettre des gros pavés, des trucs longs, des trucs un peu lourds à lire. Et pour réussir, pour espérer réussir le Pumpkin et espérer réussir à lire tous les livres que je vais foutre dans ce fichu Pumpkin, eh ben il me faut des petits livres. Donc c'est pour ça qu'on est là, pour trouver des petits livres. Alors j'en ai pas mal, hein. J'ai pas mal de livres jeunesse, mais toujours pareil, je vais pas prendre... Genre là, lui, je le vois, je vais vous le montrer, parce que lui, il va rester là, c'est sûr. La prophétie des runes, le tome 1, La rouelle de feu de Catherine Poinca. Voilà, celui-là, a priori, il rentrait dans les définitions que j'ai dit, puisque c'est un petit livre jeunesse, c'est écrit quand même assez gros, et le format, c'est presque un livre de poche. Vraiment, il est vraiment très petit, je vais vous montrer par rapport à cela. Oui, il est vraiment, vraiment très petit, et il fait quoi? Il fait... Attendez... Il fait 197 pages, donc il rentre. Quoique, je l'ai pris pour vous dire que j'allais pas le mettre, mais peut-être que je vais le mettre, en fait. Disparu aujourd'hui, renaîtra demain car va régner la lignée des Mérovées. Quelle est la prophétie qui s'inscrit en rune de feu pour annoncer le retour du prince Childéric? Ouais, bah je vais le sortir. Peut-être qu'il finira pas en petit livre pour le pumpkin, mais là je vais le sortir. Donc là c'est ça que je vais faire. Je vais sortir de ma palle tous les petits livres qui finiront probablement dans la palle du pumpkin. Bon, je sais pas si je vous aurais coupé ou si je vous aurais mis en accéléré, mais j'ai sorti quand même pas mal de livres, un peu moins que ce que je croyais, bizarrement. Mais j'en ai sorti combien? J'en ai sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est quand même pas mal. Et j'en ai un sorti en plus parce qu'il faut que... Bah, je vais vous montrer, voilà. Celui que j'ai sorti en plus, c'est celui-là, donc c'est Sherlock Lupin et moi, le tome 15, Le mystère de l'homme au chapeau. J'ai acheté le tome 15 parce que je l'avais trouvé d'occasion, blabla et tout ça, mais j'ai pas le tome 13 et j'en suis au tome 13. Ce sont des livres courts quand même, qui se lisent vite, alors peut-être que le tome 13 va être plus long, mais là il fait 238 pages, vous voyez, donc j'aimerais bien le mettre dans cette catégorie de petits livres pour le pumpkin, mais il faut que j'achète le tome 13. Donc oui, tel que vous voyez, je vais faire une liste de livres que j'aimerais trouver, et ensuite je vais aller sur JBR ou sur Momox chercher ces livres d'occasion. Voilà. Voilà, et comme je le pensais, c'est quasiment que de la jeunesse, il n'y en a qu'un qui est de l'adulte, c'est celui-là, donc c'est Cartes sur table. De Agatha Christie, parce que c'est un Agatha Christie, en plus c'est un petit poche. Alors c'est bizarre parce que je le savais, hein, je l'ai dans deux versions, j'ai ce livre deux fois, parce que j'ai d'abord acheté celui-là, et puis ensuite j'ai trouvé cette version kitsch qui date des années, je sais pas, 60, 70, vraiment. Qu'est-ce que ça se trouve, je crois que c'est plus vieux que ça ne l'est. 92, ouais donc c'est ça, je croyais que c'était plus vieux que ça. Mais bref, j'adore ces versions kitsch, du coup je l'ai quand même acheté. Et en fait, d'occasion, ou alors je l'ai pris dans une boîte à lire, je sais plus. Mais cette version-là fait 223 pages, alors que celle-là en fait 303. Ce qui est quand même... Et après, et la différence vient du fait que les passations de chapitres sont comme ça, ici. Alors que là, ça se fait au milieu de page, je vais vous montrer. Là, voilà, ça se fait au milieu, comme ça. Vous voyez, du coup, forcément, je gagne de la place. Mais bref, du coup, psychologiquement, je vais le lire dans cette... Enfin, pour mon cerveau et qu'il accepte, je vais le lire dans cette version-là. C'est pas très grave. Et ensuite, c'est que la jeunesse. Voilà. Soit ça fait plus de 200 pages, mais c'est pas très grave parce que c'est grave illustré. Soit ça fait vraiment moins de 200 pages. Donc on a La Cité des Squelettes, le tome 1. Je crois que c'est un tome 1. Ou alors c'est un one-shot. Je sais plus. En tout cas, c'est de Richard Petit-Signe. C'est illustré, je vais vous montrer, voilà. C'est écrit gros en plus, hein. Les livres sont grands, mais parce que c'est Gulfstream, mais c'est écrit gros. Et ça fait combien de pages? Je vais me faire un fichier Excel, oui, parce que je vais être, je sens que je vais être psychorigide avec ce challenge particulièrement cette année. Donc ça fait 164 pages. Parce que je vais aussi équilibrer le nombre de pages que je vais mettre par mois. Oui, donc je vais me faire un fichier Excel, oui, ça, non, mais je suis toquée des fichiers Excel. Bref, j'ai aussi mis Wicca de Marie Aluno. Voilà, parce que lui, en fait, ces deux-là, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils sont dans la palle et que je les garde pour le pumpkin et que je les mets pas dans la palle du pumpkin. Donc là, cette année, il faut que je les mette, il faut que je les lise parce qu'à un moment donné, ça suffit. Lui, il est plus gros, je crois qu'il fait plus de 200 pages, mais c'est pas très grave. Voilà, il fait 215 pages. Franchement, ça devrait aller. C'est de la jeunesse, hein. C'est écrit gros, les marches sont grosses. Il y a quelques trucs comme ça là. Et puis, il n'y a pas vraiment, enfin, il n'y a pas de grandes illustrations, mais il y a des petits trucs comme ça. Je crois que je vous avais déjà montré précisément cette page-là. Mais, ah ben non, c'est juste que ça revient plusieurs fois. Mais voilà, il y a des petits...
voyez, c'est pas proprement illustré, il y a juste des petits dessins à droite à gauche. Bref, j'ai aussi sorti John, qu'est-ce que c'est? Le tome 1, Le secret des souterrains, de Evelyn Brice-Houpélène et Juliette Bailly. C'est un hardback que je connais pas, que j'ai trouvé totalement par hasard dans une bouquinerie, mais qui a l'air très très cool. Et qui fait moins de 200 pages. Hein. Il fait 189 pages. Voilà. Lui, pareil, il n'est pas illustré, mais les chapitres sont très courts d'après ce que je vois. Oui, vraiment, genre 2 à 4 pages, maxi. Et bah, c'est là, c'est toujours pareil, hein, c'est de la jeunesse. Il y a quand même des petits trucs comme ça. Et puis c'est de la jeunesse, c'est plus gros. Ça devrait aller. J'ai aussi mis Lily Got, le tome 3, je crois. Les Hauts de Hurlefrousse de Chris Riddle. Je vous ai déjà montré plein de fois les livres de Chris Riddle. Voilà. Là, pour le coup, on est sur plus que 200 pages. Mais oh, ça devrait se lire vite quand même. On est sur 219 pages. Pas non plus la fin du monde. Voilà, j'ai aussi mis les tomes 4 et 5 de Société protectrice des monstres. Peut-être que je rajouterai le tome 3 parce que là je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai bien l'intention de le lire. Voilà, peut-être même que je vais le lire ce week-end et que du coup vous m'avez déjà vu le lire, je sais pas. L'espace-temps, toujours, c'est compliqué. Mais voilà, du coup les tomes 3 et 4 de Société protectrice des monstres. Ici c'est pareil, c'est illustré, mais il n'y a pas énormément d'illustrations, il y en a quelques-unes. Comme ça, mais c'est pas énormément illustré, mais ça fait moins de 200 pages. Mais c'est bien que je respecte moi-même ce que j'ai dit que j'allais respecter. Celui-là fait 187 pages. C'est quoi ce bruit? Et l'autre en fait 185. Vous voyez? Donc ça devrait le faire. Et puis c'est une saga que j'ai envie d'avancer. Donc voilà. Lui, j'ai un peu peur et je suis un peu moins sûre. J'ai un peu hésité. Mais il y a pas mal de pages blanches, je vais essayer de vous montrer, et il fait 182 pages, donc je l'ai quand même sorti. C'est Vol de nuit de Antoine de Saint-Exupéry. Il me semble que je l'ai déjà mis dans une palle et que je ne l'ai pas lu. Mais voilà, il y a des pages comme ça en fait, les passations de chapitres sont comme ça, et du coup, cette page-là, là, elle est entièrement vide, et genre elle sert à rien, enfin, genre il n'y a rien d'écrit dessus, tu vois. Et tous les chapitres sont comme ça, vraiment à chaque fois, et à chaque fois comme ça, je sais pas si vous voyez. Donc en vrai, c'est largement moins que 180 pages. Donc voilà, bon bah du coup on revient à la prophétie des runes. J'ai essayé. Peut-être je le mettrai, peut-être je le mettrai pas, je sais pas, mais en fait c'est bizarre parce que quand je l'ai reçu, j'avais pas du tout envie de le lire. Et là, le fait de le prendre en main et de, je sais pas, ça me donne envie. Donc voilà, et puis toujours pareil, les deux autres là que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Je mettrai aussi des graphiques dans cette palle, mais je mettrai principalement des graphiques que je vais emprunter à la bibliothèque. Voilà. Oula, pardon, je suis très bruyante. Sauf lui là. Du coup, j'ai gardé exprès, mais que je vais pas sortir parce que j'ai pas envie. Bref, voilà. Du coup, j'ai dit, j'en ai combien? 11? Très comme ça. Je sais plus combien j'ai dit que j'en avais. J'en ai 12 en comptant le. Ouais, j'en ai 11 parce que j'ai compté celui-là. Donc, j'en ai 11. C'est pas mal, 11, franchement. Voilà. Donc, il faut que j'en trouve au moins. J'aimerais bien en avoir au moins 18. Parce que. Si on part du principe qu'il y a 12 catégories par mois, 3 fois 12, 36, divisé par 2, 18. Donc il faut que j'en trouve 7. Voilà. Je pense que je vais chercher au moins un autre Agatha Christie. Celui-là. Et après, je sais pas. Faut que je regarde peut-être un autre Chris Riddle. Et je sais pas. Faut que je cherche. J'ai hésité à mettre lui là, parce que ça se lit quand même vite. Donc ça c'est le Christina Cowell, là, Harold et les dragons. Ça se lit quand même vraiment vite vu la mise en page, les dessins, les machins, les trucs. Celle-ci, je vous l'ai déjà montré, on va éviter. Mais il fait quand même. Attendez, parce que c'est drôle. Il fait quand même 310 pages. Donc là, les 200 pages sont explosées. Il aurait fait genre 250, 260 pages, je l'aurais mis sûr, mais là il est trop gros. Peut-être qu'il finira quand même dans la palle du pumpkin, c'est même quasiment sûr, mais pas en petit livre. Bref. J'ai aussi vite fait regarder dans les livres adultes et tout, mais le but c'est d'avoir des livres vraiment faciles, vraiment rapides à lire, et pas de commencer à me contraindre à lire des livres rapidement. Parce que là c'est plus du tout. Ça ne va pas, vous voyez. Donc sur ce, je vais aller me balader sur Jibber et sur. Momox et je vais acheter des bouquins. Peut-être que je vous ferai un unboxing des livres que je vais acheter bah dans ce vlog là si je les reçois la semaine prochaine ou dans un autre vlog parce que, étant donné que c'est des livres que je vais acheter pour les mettre dans la palle du pumpkin, il y a peu de chances que je vous les montre en book haul. Donc voilà. Mais je suis contente, vraiment, je suis contente. Je vais aller faire mes petits calculs, mes petits trucs.
pour le dumping, peut-être créer mon fichier Excel. Oui, parce que... Non, mais je suis toquée des fichiers Excel, des calculs de pages. Alors, je sais, j'ai des problèmes avec ça, mais j'aime bien faire ça. Et entre deux week-ends à 600 et à 800, Excel me manque. Peut-être qu'il faudrait que je retravaille avec Excel. Non, mais vraiment, parce que je travaillais beaucoup avec Excel. Et là, je me rends compte que je passe beaucoup de temps sur Excel chez moi toute seule, parce que... Non, mais j'ai des problèmes, vraiment. Peut-être que je devrais en parler à quelqu'un. Je sais pas. Bref, je suis contente d'avoir fait ça. Et d'avoir cette magnifique pile de bouquins pour le pumpkin qui commence dans moins de 2 mois au final, parce qu'on est le 6 juillet, donc c'est dans moins de 2 mois en fait. Ça va, je sais pas si on avance que ça. Bref, je sais pas quand est-ce que je continuerai ce vlog, mais comme d'hab avec la magie du montage, pour vous c'est maintenant. On est dimanche 9 juillet, il est 19h03 précisément, donc j'ai clôturé pour moi le dernier vlog pour vous il y a pas longtemps. J'ai atteint les 800 pages, tout ça, il y a à peu près une heure, et j'ai clôturé le dernier vlog il y a à peu près une heure. Bref, normalement le prochain plan, ça sera moi qui unbox des livres que j'ai commandés par rapport au pumpkin, promis. Mais je me sens un peu démunie parce que je pensais pas atteindre les 800 pages si tôt. Et du coup, je sais plus trop quoi faire de mon temps. Enfin, je sais plus trop quoi faire. C'est-à-dire que c'était pas prévu dans ma tête que je finisse les 800 pages, que j'atteigne les 800 pages si tôt dans la journée, tu vois. Et donc, oui, il faut que je comble le temps que j'ai. Je sais très bien m'occuper, hein. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis le début de l'année notamment, vous avez compris que m'occuper toute seule, c'est pas un problème chez moi, vraiment, j'y arrive tout de suite. J'y arrive très bien, vraiment. Et donc là, je vais globalement combler mon temps dans la soirée en regardant des vidéos YouTube et en regardant Grey's Anatomy. Et je me suis dit que j'allais faire un petit point sur Grey's Anatomy parce qu'en plus, avec tout ce qui se passe en termes de féminisme cette dernière semaine, c'est un peu... Voilà. En fait, ça me fait vraiment du bien pour le féminisme de voir une série sortie en 2005-2006 parce que là, j'ai regardé la saison 1 sortie en 2005 et la saison 6 sortie en 2000... la saison 6 et la saison 2 sortie en 2006. Du coup, ça me fait vraiment bien de voir que on en parlait déjà à l'époque. Bon, il y a le côté négatif de ça fait presque 20 ans et ça a pas beaucoup évolué, mais je sais pas, me dire qu'une série pareille, une série aussi populaire, aussi mythique aujourd'hui, toujours en production, en activité, a toujours parlé de ces sujets-là et en parle encore dans la saison 19, ça me... je sais pas comment expliquer, c'est un sentiment de c'est cool en vrai. Et c'est... je pense pas me tromper en disant que c'est dû au fait que, je l'ai déjà dit, Grey's Anatomy s'est créé par une femme et il n'y a que le nom d'une femme derrière la série, à savoir Shonda Rhimes. Entre temps, j'ai vérifié et effectivement, Gossip Girl et Vampire ont été coproduits, co-créés par un homme et une femme à chaque fois. Et à chaque fois, dans tous les sites que j'ai vus, le nom de l'homme est cité en premier. Toujours, toujours, toujours. Et c'est toujours le cas. Dès qu'on a un binôme homme-femme, c'est toujours le cas. L'homme est cité en premier. Et en fait, il y a deux raisons qui font que j'ai envie de hurler quand je vois ça. Même trois. Premièrement, c'est pas équitable du tout. Enfin, je veux dire, vous pourrez inverser de temps en temps, selon le projet, selon, vous pourrez inverser. Deuxièmement, si tu fais pas gaffe et si tu lis que rapidement, bah tu vois que le premier nom. Le nom du mec. Et troisièmement, créé par machin machin et bidule bidule, ça donne toujours l'impression que, c'est le cas quand les livres sont écrits à quatre mains aussi, hein, ça marche pour les livres, ça donne toujours l'impression que le deuxième nom, bah il a aidé, il a assisté, mais t'as pas l'impression qu'ils ont réellement travaillé sur la série à part égale. Alors que soit c'est le cas, soit c'est pas le cas, mais tu peux pas savoir, tu vois. Et comme c'est toujours le nom du mec qui est mis devant, moi ça me donne l'impression que soit ça veut dire que c'est 100% équitable, dans ce cas-là j'ai pas de soucis, soit, peu importe, que ce soit le mec qui ait travaillé le plus ou la femme qui ait travaillé le plus sur le projet, bah le nom du mec est cité en premier. Voilà. Et ça m'agace aussi quand le nom du mec est écrit beaucoup plus gros sur les livres, sur les affiches, vraiment ça me rend ouf. Oui. Bref, tout ça pour dire que Grey's Anatomy est, je pense pas non plus me tromper, l'une des premières séries de l'histoire à être entièrement créée par une femme. Et où le seul nom qui apparaît en termes de production, c'est le nom d'une femme pour la création de la série. Bref. Comme je l'ai déjà dit en vlog, je vais partir du principe que vous connaissez Grey's Anatomy et que soit vous avez vu les premières saisons il y a 1000 ans et vous vous en rappelez plus forcément, mais vous n'avez pas spécialement besoin de les re-regarder ou envie de les re-regarder, soit vous les avez jamais vus et vous avez pris la série en route et bon, bah vous avez pas, a priori, pas spécialement envie de les regarder non plus. Voilà, soit vous êtes fait partie des gens qui regardent encore la série et donc vous le connaissez par cœur. Voilà, donc en gros je vais largement spoiler ce qui se passe dans les saisons 1 et 2.
de Grey's Anatomy, la saison 1 est quand même assez, assez calme. Je pense que ça, c'est femme ou homme, c'est valable pour toutes les séries et pour toutes les productions de manière générale. Avant que tu puisses aborder des sujets un peu compliqués, on te demande de faire tes preuves. Voilà. Mais dans la saison 2, c'est pas la même délire. Je vais commencer par tout ce qui est sujet féministe, mais ensuite je passerai par les personnages et vous allez voir qu'on va revenir sur les sujets féministes parce que c'est comme ça. On parle... Alors je vais parler de la saison 1 et de la saison 2 parce que je viens de les regarder. Là, j'ai vu que le premier épisode de la saison 3. Bref, mais tout ce que je vais dire, c'est valable dans tout le reste de la série que moi j'ai déjà vu, que je n'ai pas encore regardé, mais bref. On aborde énormément de sujets de société, énormément de sujets féministes qui touchent principalement les femmes. On aborde le sexisme en termes de chirurgiens, chirurgiennes. Là, dans la fin de la saison 2, il me semble, on a des scènes d'une espèce de cocktail qui a été organisé avant que les internes ne fassent leur premier jour. Pardon, pour ceux qui ne situent pas du tout Grey's Anatomy, je vais peut-être quand même un mini résumé. Donc dans Grey's Anatomy, on suit un groupe de 5 internes en chirurgie qui vont commencer leur internat dans un hôpital. Et donc ils vont être... ils vont soigner des vrais gens, pas tout seuls et pas en Anthony parce qu'ils sont encore en train d'apprendre. Et donc ils vont avoir une résidente et 2 titulaires qui sont là autour d'eux pour continuer leur formation et leur apprentissage. Bref, et donc on a eu des scènes d'un cocktail organisé la veille de leur premier jour pour qu'il y ait un échange entre les médecins, les titulaires, les chefs de service, le chef de l'hôpital et tous les internes, et vous voyez, tout même les infirmières, les infirmiers, tout ça. Et ben là, tu vois que parce que ce sont des femmes, genre il y a une scène, vraiment ça me rend ouf, et encore plus parce que c'est un personnage que j'adore, Alex rencontre Izzy, donc ce sont 2 internes en chirurgie, à ce cocktail, et il lui dit « Oh, t'as choisi quoi comme spécialité ?» parce qu'il y a tout le monde qui va, tous les membres de l'hôpital qui sont là, et elle lui répond à la chirurgie « Ah bon ?» Il lui dit genre vraiment comme ça, genre « Ah bon ? Mais moi j'aurais parié sur la gynécologie ou la pédiatrie. » Des trucs dits féminins. Parce que les femmes n'ont pas d'ambition, c'est bien connu. Et vraiment, il y a plein de petits détails comme ça où tout est comme ça. Et c'est ça, le sexisme. C'est ça, le sexisme. Ça, c'est une réflexion sexiste, vous voyez. Parce qu'elle est une femme, il a supposé qu'elle allait faire des trucs de femme. Littéralement. Et des trucs de femme, c'est sexiste. Et probablement que quand il dit ça, il se rend même pas compte que c'est sexiste. Mais c'est le cas, en fait. Et on aborde, comme je l'ai dit, plein de sujets, enfin... Deux principaux sujets qui sont très compliqués à aborder, à savoir le viol. Cet épisode m'avait marqué quand je l'ai vu pour la première fois, et à le revoir, c'est ouf. Et je crois que j'ai dit des conneries tout à l'heure, je crois que c'est le deuxième épisode de la série. Il y a moyen que ce soit le deuxième épisode de la saison 1, ou alors le deuxième épisode de la saison 2. Je vous avoue que je sais plus. Mais en tout cas, ça arrive quand même très très tôt dans la série. En gros, il y a une femme qui arrive aux urgences parce qu'elle a été massacrée. Vraiment, on l'a tabassée presque à mort et ils font tout pour la sauver. Et quand ils l'opèrent, ils découvrent dans son corps... J'allais m'excuser auprès de tous les messieurs, mais même pas. Démerdez-vous avec votre merde. Donc quand ils l'opèrent, ils trouvent dans son estomac le bout d'un sexe masculin. Voilà. Et donc là, je crois que c'est déjà dit avant, mais là tu captes vraiment que le gars qui lui a déglingué la gueule, qui n'a pas d'autre mot, est dans un état pitoyable, a tenté de la violer, et qu'elle lui a arraché le bout du sexe. Voilà. Et quelques temps plus tard, bien évidemment, le gars, du coup, à qui il manque un bout du corps, hein, ça doit même être très douloureux, vient à l'hôpital, parce qu'à un moment donné, il faut bien soigner, tu vois. Et il se trouve que... on peut pas le recoudre. Et cet épisode-là est vraiment très très fort, il est vraiment vraiment très violent, littéralement, et c'est ouf. Et aussi, plus tard dans la série, on parle de femmes battues, et de familles battues même. Je sais que ce sont des sujets qui seront encore abordés plus loin dans la série, mais vraiment, il y a pas mal de sujets comme ça qui sont très très forts et qui sont abordés très très tôt dans la série. Et pour l'époque, c'était bien fait. Tu vois, genre, c'était déjà rare qu'une série aborde ça de la même manière. On n'est pas du tout dans le même traitement du sujet du viol que dans Gossip Girl, par exemple. Vous voyez, c'est pas du tout le même délire, hein, clairement. Bref, c'était déjà bien fait pour l'époque. Vraiment, c'est bien traité, c'est bien abordé, c'est bien, quoi. Et aujourd'hui, ça a très bien vieilli. Et c'est cool.
Et la raison principale pour moi, ce qui fait que ces sujets-là sont bien abordés et passent bien encore aujourd'hui, quasiment 20 ans après, bah, c'est qu'ils ont été mis en scène et créés par une femme qui sait de quoi elle parle, littéralement. Probablement, pas littéralement. Je dis pas que Shonda Rhimes a été violée dans sa vie ou qu'elle a été une femme battue, j'en sais rien. Je dis juste que elle sait ce que c'est, tu vois. Enfin, parce qu'elle est une femme, je sais pas comment expliquer, mais parce que t'es une femme, t'as pas la même sensibilité qu'un homme à ce genre de truc. Et un homme aura plus tendance à te dire ouais, ça va, c'est bon, t'abuses. Ben non, j'abuse pas, frère, en fait. Le gars l'a tabassée au milieu d'un parc parce qu'il voulait la violer. C'est quoi les bails, en fait. Enfin. Bref. Et pour les personnages. C'est très bizarre à regarder pour tout ce qui est scénario et événements qui se passent. J'adore revoir la série. Pour les personnages, c'est très compliqué. Notamment, je vais commencer par lui parce que j'en ai déjà parlé. Alex est un personnage que j'adore. Mais dans la saison 1 et dans les saisons 1 et 2, c'est l'un des plus grands machos, l'un des mecs les plus sexistes, les plus misogynes qui puissent exister. Genre vraiment, il est à vomir. Mais je peux pas m'empêcher de l'apprécier parce que je sais que dans la série, il va évoluer et qu'au final, je vais l'adorer. Parce que c'est le cas, en fait. Et je me rappelais même pas qu'au début, il était comme ça, tellement je l'aime à la fin. Vous voyez ? Et en fait, ce qui est ouf, c'est que du coup, il part du principe, je rappelle, hein, c'est le même Alex, que tout ce qui est pédiatrie, gynécologie, même chirurgie pédiatrique, donc tout ce qui va être gestion de la grossesse d'une femme, opération sur une femme enceinte, opération sur un nouveau-né, opération sur des prématurés, tout ça, pour lui, c'est pas de la chirurgie, c'est un truc féminin, vas-y franchement, ça m'intéresse pas. Et moi je sais qu'au final, quand il va devoir 4-5 ans plus tard choisir sa spécialité, c'est précisément cette spécialité qu'il va choisir. Et il va se rendre compte, et on voit ça dans plusieurs épisodes, que gérer des femmes enceintes, gérer des bébés, opérer des prématurés, perdre des prématurés, voir des bébés mourir, bah ça demande une putain de force de caractère en fait. Et c'est selon lui un truc très féminin. Et toute cette évolution là est dingue sur le personnage, mais là dans les deux premières saisons on est proche de la catastrophe. Vraiment. Mais je sais que le personnage va évoluer et j'ai hâte de le revoir évoluer parce que je l'ai déjà vu évoluer en vrai, c'est juste que je me rappelais pas de où on partait réellement, tu vois. Mais être capable de partir d'un des personnages les plus misogynes créés par Shonda Rhimes, et arriver à ça, c'est juste génial de proposer une telle évolution chez un personnage masculin. Enfin, je sais pas, je trouve ça ouf. Et le deuxième personnage sur lequel je voulais revenir, c'est Addison. Addison, donc, c'est la femme de Derek. Pour rappel, la veille de leur premier jour à tous les deux dans l'hôpital, Derek et Meredith se sont rencontrés dans un bar, ils ont passé la nuit ensemble, et le lendemain, ils découvrent que elle est interne et lui, il est titulaire. Qu'il est son supérieur, et donc pas du coup, pas de bol, il a accouché avec son supérieur, sans savoir que c'était son supérieur, et ils vont malgré tout plus ou moins commencer une relation, même s'ils en ont pas le droit. Et à la fin de la saison 1, Addison débarque, et donc Addison est la femme de Shepherd, enfin de Derek, donc pas ouf. J'ai pas du tout la même relation que j'avais avec l'adultère aujourd'hui que quand j'ai vu la série la première fois, ce qui joue aussi. C'est un adultère dans les faits, comme je l'ai déjà dit, parce que Derek et Addison sont mariés au moment où Derek sort avec Meredith, ce qui fait d'elle une maîtresse, même si elle ne savait pas qu'il était marié. Tout ça est très compliqué, mais dans les faits, ça reste un adultère parce qu'il est marié, tu vois. Mais il est séparé de sa femme. Donc, c'est un adultère, mais il ne l'a pas trompé. Vous voyez, c'est tout dans la nuance. Et donc, la première fois que j'ai regardé la série, quand Addison débarque, elle vient tout briser, elle vient tout détruire. Meredith, qu'on adore, parce que c'est le personnage principal, évidemment, et pour plein d'autres raisons d'ailleurs, a le cœur brisé, vraiment, elle est anéantie parce que Derek la quitte, parce que Derek veut essayer de reconstruire son mariage. Et en même temps, lui, tu peux pas lui en vouloir de vouloir essayer de reconstruire son mariage. Il a été marié avec cette femme pendant plusieurs années, il l'a aimée. Tu vois, c'est... Mais Addison, je la déteste. Enfin, je la détestais. Pendant tout le début de Grey's Anatomy, je détestais Addison à tel point que je n'ai jamais regardé la série. Je vais le dire en pur français parce que franchement, j'ai la flemme. Private Practice, voilà. Je pense que c'est l'un des premiers spin-offs de l'histoire des séries, en tout cas des séries populaires telles qu'on les connaît aujourd'hui.
parce que Kate Walsh, l'actrice qui jouait Addison, était très populaire dans Grey's Anatomy, et donc Shonda Rhimes lui a proposé une série dérivée de Grey's Anatomy dans laquelle elle serait le personnage principal. J'ai plus de batterie, je vais la charger, je reviens. Donc, je disais, Private Practice va être créée, a existé, je le sais, il se trouve qu'aujourd'hui c'est une série arrêtée, enfin c'est une série qui n'est plus en production contrairement à Grey's Anatomy, mais cette série a existé, elle a 5 ou 6 saisons, je crois, et je n'ai jamais regardé. Je me rappelle que je regardais Grey's Anatomy avec mon père, et que lui, à la création de Private Practice, il a regardé cette série avec Kate Walsh, et donc Addison, un personnage principal, et il a complètement lâché Grey's Anatomy parce qu'il préférait Private Practice. Moi, j'ai jamais regardé cette série, parce que, au moment où de la création de cette série, je détestais Addison, le personnage. Vraiment, je la détestais, c'est comme ça. Et je me suis dit trop cool en fait, parce que comme il y a une nouvelle série de créer, le personnage, tu vas le voir beaucoup dans la série dans laquelle elle est le personnage principal, et du coup elle disparaît presque de Grey's Anatomy. Alors elle vient de temps en temps quand même, mais elle est plus personnage principal de Grey's Anatomy puisqu'elle est personnage principal d'une autre série, tu vois. Donc moi j'étais très contente de m'en être débarrassée, en mode vas-y je veux plus la voir, elle me saoule, je l'aime pas. Sauf que là, j'ai recommencé Grey's Anatomy, donc depuis la saison 1, juste après avoir vu la saison 19. Dans laquelle il y a de nouveau Addison et donc l'actrice Kate Walsh qui joue Addison. Et il y a quelque chose que j'ai pas précisé, mais c'est que Addison Montgomery, donc Addison Montgomery Shepherd, le personnage, est chirurgienne, je sais pas, j'ai plus... gynécologique, je sais pas exactement c'est quoi le terme, mais en gros, elle s'occupe de toutes les femmes enceintes, toutes les complexités qu'il peut y avoir au cours d'une grossesse, toutes les complications qu'il peut y avoir à une naissance. Quand le bébé est prématuré, c'est elle aussi qui l'opère. Et on a notamment eu un épisode où il y a... Enfin, deux épisodes qui m'ont marqué là dans la saison 2, je crois. C'est horrible. Bref. Il y a notamment... Même 3. Enfin bref, il y a plein d'histoires que ça me touche beaucoup parce qu'on parle du droit des femmes et du droit des femmes surtout à disposer de leur corps. C'est très long ce morceau de vlog, mais bref. Et en fait, du coup, il y a plusieurs cas. Il y a le cas d'une femme très croyante avec un mari très croyant qui est enceinte de son 7e enfant et qui dit j'en peux plus, vraiment je peux plus avoir des grossesses tout le temps, enfin genre à un moment donné je n'en peux plus. Son mari refuse qu'il prenne tout type de contraception et évidemment l'avortement n'est même pas envisageable pour le mari qui est extrêmement croyant. Et je trouve ça terrifiant à quel point un homme se croit capable de dire ah non non pas de contraception, ah non non pas d'avortement, mais c'est pas ton corps gars en fait. Vraiment, c'est pas ton corps, ferme ta gueule. Non, mais c'est facile de faire ça. Non, non, mais moi je veux pas de contraception, je crois en Dieu. Pas de contraception, pas d'avortement. Ok, d'accord, mais c'est mon corps et je viens d'avoir 7 grossesses et 7 accouchements avec des complications. Plus ça va, plus je vieillis. On peut me foutre la paix à un moment donné. Enfin, stop, ça suffit maintenant, tu vois. À un moment donné, j'ai le droit de... Ça suffit, tu vois. Et donc elle demande à Addison, ça va être une césarienne prévue parce que c'est une grossesse à risque, enfin bref, machin. Et donc elle lui demande au cours de l'opération d'en profiter pour lui ligaturer les trompes. Ce qui évidemment, ça va créer tout un tas de problèmes, parce que c'est pas... Ça devrait être marqué dans son dossier, mais la femme ne veut pas que ce soit marqué dans son dossier, parce que du coup sinon son mari va le savoir. Enfin bref, ça pose plein de questions de société et plein de questions de couple comme ça. Je trouve ça hyper intéressant. Et il y a un autre cas, et celui-là il est immonde en vrai. Bref. Et en gros il y a une femme qui a un accident de voiture, je crois, et elle est enceinte. Sauf qu'elle va être déclarée en mort cérébrale, malheureusement, ils n'arrivent pas à la sauver. Et là, écoutez bien, son père dit, bah c'est pas compliqué, on va la garder en vie jusqu'à ce que la grossesse soit menée à son terme. Tu prends ta fille pour un incubateur humain, t'es sérieux, frère? Et je sais, il y en a qui vont me dire, bah oui, mais c'est pour sauver la vie du bébé, blablabla. Bla, bla. Mais vous êtes sérieux, vous allez vraiment la laisser allongée comme un légume sur un lit pendant 3, 4, 5 mois pour donner naissance à un bébé? Mais vous vous rendez compte, je trouve ça inhumain, vous vous rendez compte, c'est inhumain. Vraiment, c'est inhumain. Ça n'a aucun sens de faire ça. Et le personnage d'Alison, que maintenant j'aime bien, vient expliquer aux parents que c'est possible de le faire, mais que ça va être risqué pour le bébé en fait, que c'est pas une bonne idée, parce que du coup elle aura pas les bonnes hormones, ça va pas être une grossesse normale, parce qu'elle est en putain de mort cérébrale, enfin... Je sais pas, je trouve ça ouf de prendre une femme pour un incubateur humain, de prendre ta propre fille pour un incubateur humain. Alors oui, c'est excusable, blablabla, je peux comprendre pour que tu puisses avoir ton petit-fils ou ta petite-fille qui sera le fils ou la fille de... Mais c'est horrible quand même, frère.
Et il y a un autre truc, c'est le troisième cas, mais en vrai il y en a plein, je vais, après je pourrais tous vous lister, mais je vais pas tous vous lister. Il y en a un autre où c'est une amie de Addison qui vient et qui a un risque d'avoir le cancer du sein ou le cancer des ovaires et qui lui demande en gros de lui retirer les ovaires et l'utérus. Ça, et elle fera les seins dans un deuxième temps, elle se fera retirer les seins dans un deuxième temps, comme ça elle est sûre qu'elle aura pas le cancer, tu vois. Et son mari, il dit, non mais non, comment ça non? Non, moi je suis pas d'accord pour que tu fasses ça. Mais t'as pas à être d'accord ou pas, gros? Non, t'es son mari, t'es pas le propriétaire de son corps, ou de ses ovaires, ou de son utérus. Je sais pas, ça me rend ouf, parce que t'es son mari, t'as le droit de dire, non. Enfin, je sais pas, vraiment, et du coup ça donne lieu à des scènes et à des disputes entre le couple et entre Addison et Derek, parce que Derek, évidemment, il est du côté du... Non, mais pour ça, c'est un connard, vraiment, je suis désolée. En mode, bah oui, mais elle pourrait au moins le consulter. Mais le consulter de quoi? C'est son corps, elle fait ce qu'elle veut. Oui, mais elle pourra plus avoir d'enfants, ça le concerne aussi. Ouais, bah soit il fait avec, soit il fait pas avec, mais c'est comme ça, c'est tout. Enfin, je sais pas, ça me rend ouf, toutes ces questions sur le corps des femmes, tous ces hommes qui croient que... Parce qu'ils sont leur mari, parce qu'ils sont leur père, parce qu'ils sont leur père, parce qu'ils les aiment, parce que je sais pas quoi, ils peuvent donner leur avis sur ce qu'une femme fait avec son corps. Bah, spoiler alerte, c'est pas le cas, en fait. Et vous voyez, tout ce genre de cas, c'est vraiment cool. Et je rappelle, tout ça, là, c'est des épisodes qui sont sortis en 2006. Bref. Donc ça, c'est pour le personnage d'Addison, que je détestais à l'époque, mais qu'aujourd'hui, j'aime, parce que, notamment, je viens de voir la saison 19, comme je l'ai dit avant tout ce blabla. Et dans la saison 19... Addison se bat toujours pour les droits des femmes et pour que les femmes puissent disposer de leur corps comme elles l'entendent. Et elle a installé un dispensaire à un endroit stratégique des États-Unis. Je ne sais pas exactement où il est, mais il est dans un état qui n'a pas, Dieu merci, annulé l'IVG, donc le droit à l'IVG. Et donc elle est dans cet état-là, légalement autorise l'IVG pour les femmes, et elle est à la frontière de plusieurs états qui ont, eux, annulé le droit d'IVG. Et comme ça, ça permet à des femmes qui sont dans des états qui ne peuvent pas avorter de venir la consulter. Et elle est notamment harcelée, elle est insultée, elle est lynchée parce qu'elle fait ça. Et en fait, elle explique que elle veut juste donner aux femmes le choix et l'accès à des soins et à un traitement approprié. Elle dit même que dans le dispensaire, les avortements, c'est qu'une partie infime de son travail et que c'est pas du tout ce qu'elle fait au quotidien, tu vois. Elle suit juste des patientes. Et ça me rend ouf toutes ces questions sur l'avortement, j'en ai déjà parlé, mais il y a un truc qui, vraiment, ça m'a rendu ouf et je ne doute même pas que ça arrive dans la réalité et ça me rend ouf. Il y a une femme d'une quarantaine d'années, je crois, qui a une grossesse. C'est une grossesse à risque. Ça veut dire qu'elle est enceinte, elle est encore... Elle est enceinte, mais elle peut encore avorter légalement. Enfin, elle pourrait encore avorter légalement si elle était dans un état qui autorise l'avortement. Et sa grossesse met sa vie en danger. C'est-à-dire que si elle continue sa grossesse, si elle mène sa grossesse à terme, elle risque d'en mourir, littéralement. Et bien même dans ce cas-là, elle n'a même pas le droit d'avorter. Elle doit prendre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle doit prendre le risque de mener à terme une grossesse qui pourrait lui coûter la vie, en sachant que peut-être son bébé n'y survivra même pas. Donc en gros, elle doit mener une grossesse à terme pour rien. Potentiellement pour rien. Parce que elle et son bébé pourraient en mourir. C'est quoi l'intérêt? Non mais je vous pose la question à tous les gens qui sont contre l'IVG. C'est quoi l'intérêt de pousser des femmes à faire ça? C'est quoi les bails en fait? Ça sert à quoi? Et spoiler alerte, eh ben elle finit par en mourir. Voilà. Super. Super. Alors... Je sais que les gens qui sont contre l'IVG ne voient pas tous ces cas, mais moi, c'est ça que je vois, en fait. Vous voyez? Bref, tout ça pour dire que Addison était un personnage que je détestais et qu'au fil des années, mon avis a beaucoup évolué sur Addison, et notamment grâce à la saison 19, parce que vraiment, elle revient dans plusieurs épisodes de la saison 19 et avec toutes ces questions d'IVG, du droit des femmes, de disposer de son corps. En fait, c'est ça qui me rend fou, c'est qu'on peut pas disposer de son corps, quoi. Donc en gros, moi, si demain, j'apprends que je suis enceinte, ce qui, spoiler alert, n'est pas du tout impossible, puisque mes règles ont un retard d'une semaine, mais voilà, je vous le dis, comme ça, c'est entre nous. Bref, si demain, j'apprends que je suis enceinte et que je suis au Texas, bah, j'ai même pas le choix, en fait. Genre, je peux rien y faire. J'ai pas demandé, j'ai pas cherché. J'ai tout fait pour pas que ça n'arrive pas, même, si vous voulez tout savoir. Mais c'est arrivé quand même. Et on me dit, bah... Bah oui, bah c'est comme ça.
Tu vas vivre 9 mois de grossesse avec des changements dans ton corps, avec un ventre qui grossit, des hormones on fire, et puis tu vas accoucher. Et puis voilà. Sérieusement? Mais allez vous faire foutre! En bref, comme je l'ai dit, je pourrais en parler des heures et des heures. Ce qu'il faut retenir, c'est que je détestais Alison Montgomery au début de la série. Dans la saison 19, je l'adore, ce qui fait que là, au revisionnage, j'arrive pas à la détester. Et aussi parce que je connais la suite de la série, je sais ce qui va se passer avec Derek, Meredith, tout ça dans la suite. Donc, forcément, ça m'aide à ne pas la détester, même si elle ne fait que retarder l'échéance. Enfin bref. Et pour le coup, je vais regarder Private Practice quand ça. Vous voyez, je sais plus dans quelle saison de Grey's Anatomy ça switch. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, à ce moment-là, quand j'en serai là dans Grey's Anatomy, je commencerai Private Practice parce que du coup, j'ai jamais vu cette série. Et là, dans Private Practice, elle a ouvert une clinique qui s'occupe que de ça. Que des femmes enceintes, des bébés, des prématurés, que de ça. Vraiment, donc ça va être. Je pense que ça va me retourner le cerveau. Mais bref, faut que j'aille manger parce que là, il est tard. De base, je voulais juste vous prendre 5 minutes et manger, mais là, ça fait une demi-heure. Donc voilà, je pense que j'ai assez blablaté. Je sais pas si j'aurais laissé tout ça au montage. Mais je vais manger et normalement, je vous retrouve demain, comme je vous ai dit, pour un unboxing. C'est l'heure de l'unboxing! On est lundi, il est midi. Et donc, j'ai commandé des livres pour le pumpkin. Ouais, on va les appeler comme ça. Je sais pas si je les lirai tous pendant le pumpkin. Il y en a peut-être que je lirai avant, peut-être que je lirai après, peut-être qu'ils seront toujours là dans un an. J'en sais rien. Mais j'ai commandé des livres et j'ai eu très peur. J'ai fait deux commandes. Du coup, je sais pas trop c'est laquelle. En vrai. En fait, j'ai eu peur parce que. Donc, j'ai passé une commande sur Jiber avec principalement des livres d'occasion. Je crois même que des livres d'occasion. Je sais plus. Bref. Et une commande sur deux titres parce que je trouvais pas les livres d'occasion. Et j'ai reçu deux mails qui me disaient que ma commande Jiber était partie et que ma commande Jiber arrivait aujourd'hui et que le colis était trop gros pour rentrer dans la boîte aux lettres. Et que le gars ou la fille passerait entre 9h et midi. 10h, 10h30, 11h, 11h30, midi. Pas de gars, pas d'appel, pas de fille, pas d'interphone qui sonne. Je me suis dit, bon, je vais quand même aller voir dans la boîte aux lettres parce que les gens, ils ont tendance à bourrer ma boîte aux lettres avec le colis, même si c'est marqué qu'il rentrera pas, tu vois. Non! Ils ont tendance à bloquer. Donc, je suis allée à ma boîte aux lettres, persuadée que, un, le colis était dedans, et que, deux, ma boîte aux lettres était bloquée avec. Et, pas du tout. Enfin, le colis était bien dedans, mais il rentrait dedans. Et ma boîte aux lettres n'était pas bloquée. J'ai pas eu à me battre avec ma boîte aux lettres pour la débloquer. Par contre, vu la taille du colis, je vois pas comment ça pourrait être ma commande Jiber. Du coup, ça serait ma commande de titre. Mais en même temps, c'est un peu lourd pour être ma commande de titre. Vous voyez? En gros, je sais pas trop. Mais on va ouvrir ça tout de suite. J'ai pas pris de ciseaux et j'ai la flemme de me relever. Donc, je vais faire la technique de la flemme. Oui, parce qu'on peut retirer les trucs blancs là sans ciseaux. Vous voyez, genre à la main, c'est tout à fait possible. Voilà. Non, mais je vous donne un petit coup si vous avez la flemme comme moi. Pour avoir un peu de force. Mais si moi j'y arrive, a priori, vous pouvez y arriver. Parce que j'ai pas non plus la force de Hulk. Bref. Donc, ouvrons ce colis. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, mais pas du tout! Ok! Bon, ça n'a rien à voir, mais bah, du coup, je vais vous montrer quand même. C'est la commande François Dire, que j'avais oublié, hein, comme vous pouvez remarquer, j'avais complètement zappé. Mais ok, j'ai commandé ça, moi. Oula. Oui, c'est ma commande François Dire. Donc ça paraît beaucoup, beaucoup plus logique, mais du coup j'étais quand même censée recevoir ma commande Jiber aujourd'hui et je ne l'ai pas eue. Où est mon téléphone? Parce que s'il sonne, il faudrait peut-être que je réponde. Du coup j'ai récupéré mon téléphone, comme ça si jamais. Bon, il est plus de midi, mais enfin non, il est 11h57 précisément. Écoutez, au pire, j'aurais dégagé la boîte aux lettres pour qu'il puisse bourrer le colis dedans. Bref, bref, bref. Bah celui-là en vrai, peut-être qu'il finira dans ma palle de. Celui-là, soit je vais le lire pour le week-end d'Amil que je vais faire fin juillet. Soit il finira dans la palle du pumpkin. Donc c'est pas plus mal que je vous montre ici. C'est Gaspard de Paris, le monstre des toits. Il me semble que c'est un tome 1. Pardon, c'est de Paul Thiès et Benjamin Strickler. Voilà. Je sais plus trop pourquoi je l'ai commandé. Enfin, en fait, il y avait des offres, des espèces de soldes sur Fonds Vert. J'adore les illustrations comme ça avec. Monochrome un peu, enfin avec une couleur dominante, enfin, vraiment, je trouve ça trop cool. Bref, du coup, il y avait des offres, des promos, des soldes et tout sur Fonds Loisirs. Et ensuite, si t'atteignais un certain montant d'achat, t'avais un sac en cadeau. Et j'aime bien les sacs Fonds Loisirs. Du coup, je me suis un peu débrouillée.
Pour avoir le sac. Je vous montrerai aussi parce que du coup, je l'ai. Bref, j'ai pris ça parce que tout le monde en parle en ce moment. Alors j'ai déjà fait ma fête du mois d'août et je m'étais dit peut-être que je le rajouterais, mais vu l'épaisseur du truc, il y a peu de chance. Donc c'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Donc c'est une romance qui parle de science. Voilà. Et moi j'aime bien les romances avec des sciences, des maths et tout, je trouve ça cool. Voilà, j'ai vu Pikiti Bookin qui l'avait lu il y a pas longtemps et qu'en parlait, qui disait que c'était sympa. Alors même qu'elle aime pas trop les romances. Donc. Bref, voilà. J'ai bu tout ce que j'ai commandé du coup. Ah oui, lui c'est typiquement un livre que j'ai rajouté pour avoir le sac. Vous voyez? Mais ça peut être bien. Donc c'est Les Enquêtes de Jane Austen, Le Fantôme de l'Abbaye. Ouais, c'est le tome 1 de Julia Golding. Je l'aurais pas acheté de prime abord parce que franchement, écrire Jane Austen sur un roman, moi ça me vend pas du rêve. Vous voyez? Mais ça a l'air d'être une enquête, Angleterre, 1789, voilà. La mère de Jane a décidé de l'envoyer à l'abbaye de Southmore pour tenir compagnie à Lady Cromwell. À 13 ans, Jane se languit de découvrir le monde et non de se plier aux exigences d'une vieille aristocrate. Voilà, ça reste un genre de livre que je peux apprécier. C'est juste que voir le nom de Jane Austen, je sais pas, moi ça me donne pas spécialement envie. J'arrive pas à l'expliquer, c'est comme ça, mais bref, je l'ai quand même acheté. Alors lui, je sais pourquoi je l'ai acheté, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit comme ça et à ce qu'il soit si gros. Donc c'est Les Lettres de Washington Square de Anne Icar. Et en gros, c'est un peu un roman épistolaire, non? Ah non, c'est pas épistolaire du tout. Bon, c'est pas grave. Des montagnes pyrénéennes à New York, une histoire d'amour filial incroyablement émouvante, portée par l'espoir et les deuxièmes chances que la vie offre parfois. Voilà. Mais je sais plus de quoi ça parle, parce que du coup, on n'a pas de résumé. Ah si si, on a quand même des lettres. Voilà. En gros, je l'ai pris parce que je croyais que ça allait être épistolaire. Alors, c'est pas 100% épistolaire, mais on a des lettres comme ça de temps en temps. Et voilà, 1925, je sais pas si vous avez vu la date, c'était la date de la lettre. Donc, ça c'est pendant l'entre-deux-guerres, du coup. Bref. Oh, il est trop chou, il est trop beau. Alors lui, il va venir dans ma pelle pour le pumpkin, c'est sûr, j'en avais déjà un comme ça. Il est magnifique, vraiment, il est magnifique. Donc c'est un petit livre, je crois que c'est France Loisirs qui les édite parce que je les vois que sur leur site. Et j'en ai déjà un comme ça. Mais il est plus petit, il me semble, que celui que j'avais. Attendez, je vais chercher celui que j'avais. Bon, moi je l'ai pas trouvé, mais c'était aussi un truc sur les sorcières et sur les plantes. Mais peut-être que je l'ai pas gardé, peut-être que je l'ai filé à quelqu'un parce que c'est pas trop mon délire. Mais bref, il est vraiment vraiment très très petit. Je vais vous montrer par rapport au poche là de Ali Hazelwood. Vous voyez, il est vraiment plus petit. Si vous vous rendez compte, mais vraiment, il est vraiment plus petit. Donc les pages sont dorées et c'est un hardback, mais pas hard, vous voyez, genre c'est matelassé. Enfin bref, ça s'appelle Le Petit Livre des Sorcières. Oui, bah oui, il m'en faut pas plus, il y a marqué sorcière. C'est de Dominique Foufel. Voilà, et du coup, oh, je tombe sur la meilleure page, regardez, c'est marqué Halloween. Enfin bref, voilà. Du coup, je sais pas trop ce qu'on va avoir dedans, mais. Mais c'est trop cool, voilà. Et donc, avec tout ça, je sais plus combien j'ai payé, je pourrais vous le dire, mais en vrai, c'est pas très important. J'ai eu un sac. Bon, je vais le sortir du plastique, parce que là, un, ça fait du bruit, et deux, je vois pas trop à quoi ressemble. Ah, celui qu'on a vu l'année dernière, il fermait. Celui-là, il est plus petit que celui de l'année dernière, et il ferme pas. Mais en gros, c'est vendu, enfin, c'est vendu, non, parce que j'ai pas payé, je l'ai eu en cadeau, mais c'est pour être un espèce de sac de plage, tu vois. Et moi, évidemment, je m'en sers pour mettre, devinez quoi? Des livres. Bah oui, évidemment, qu'est-ce que c'est que cette question? Qu'est-ce que vous voulez que je mette dans un sac pareil? Donc voilà, je mettrai des bouquins. Ah si, il ferme! Je suis mauvaise langue, il ferme. Voilà. Il ferme. Mais celui qu'on a vu l'année dernière était un peu plus grand. Et genre, celui de l'année dernière, c'était la taille parfaite pour genre quand tu pars un week-end, tu vois. Là, c'est un peu petit pour quand tu pars un week-end, parce que rien que ma trousse de toilette fait à peu près la moitié de ce truc-là, donc ça marche pas. Mais ouais, pour mettre des livres, franchement, parfait. Et il est doublé dedans. Voilà. Non mais je vous montre comme si ça vous intéressait et comme si vous pouviez l'avoir. Je sais pas s'il est toujours dispo sur France Loisirs, mais il aurait fait une petite pochette à l'intérieur. Pochette que j'arrive pas à ouvrir quand elle est dessus. Mais bon, c'est un sac France Loisirs quoi, que je voulais pour m'en servir. Non mais c'est bien comme réseau. Voilà, du coup je sais pas du tout si j'aurai mon colis JBR aujourd'hui ou si je l'aurai demain ou... Un peu triste mais bon, écoutez, je vous reprendrai quand j'aurai mon colis JBR. J'y croyais plus, mais j'ai mon colis! Donc c'est parti, on unbox. C'est parti, let's go! Oh là là,
il y a plein de trucs. Évidemment qu'il y a plein de trucs, Audrey. T'as passé une commande absolument énorme. Oui, je me rappelle à moi-même que c'est moi-même qui ai commandé. Bref, donc. Il est en hardback, c'est quoi ça? Waouh. Donc, c'est... Alors, je vais les prendre dans l'ordre dans lequel ils viennent. Hein. C'est pas forcément... bref. Je sais plus combien j'ai payé, mais j'ai payé très cher. J'ai vraiment fait une grosse commande. Bref, donc, Tenebria, le manoir Darkshire de Fabrice Collin et Gérald Guerlet. Fabrice Collin, c'est un nom que je connais. Et j'ai lu vite fait le résumé et ça avait l'air cool. En gros, pour passer ma commande, si c'est des livres... Il y a d'autres livres que j'ai rajoutés qui seront pas pour le Pumpkin. Mais il y en a que j'ai pris spécifiquement pour le Pumpkin. Donc je suis allée dans la catégorie jeunesse et j'ai principalement regardé le nombre de pages à chaque fois. Et si je me suis fait quand même une petite idée du résumé ou alors j'ai pris des noms que je connaissais. Fabrice Collin, c'est un nom que je connais, vous voyez, mais que je crois pas avoir déjà lu. Voilà. Toujours partant pour l'aventure, les quatre amis n'ont peur de rien. C'est un tome 2 ou je rêve? Alors, quand un mystérieux œuf de dragon et un énigmatique vampire s'invite au manoir, gare aux embrouilles. Vu le résumé, c'est bizarre parce que ça a l'air d'un tome 2. Mais j'avais vérifié avec Booknode. Et c'était pas marqué comme un tome 2. Bon, faudra que je revérifie. C'est trop beau. Vraiment, l'intérieur est magnifique. Et donc, il est en hardback. Ça, c'est bonus hein, parce que je savais pas. Et donc, c'est illustré. Voilà. Et ça fait... Waouh. Ça fait 108 pages. Donc c'est hyper cool. Hyper court, hyper génial. Ensuite on a... Ah oui, ça j'en avais jamais entendu parler, mais je sais pas, ça avait l'air vraiment cool. Donc c'est La Vie de Château, le tome 1, Violette et Régis, de Clémence Madeleine Perdilla et Nathaniel Himley. Non, Himley, je sais pas comment on dit, c'est un H apostrophe. Je vous avoue que je sais pas comment on prononce un H apostrophe. Du coup, il y a plusieurs tomes de... D'ailleurs, c'est logique. Et ça avait l'air cool. Bon, ça avait l'air cool, vous allez voir que la première phrase va cool, mais bref. Les parents de Violette sont morts. Oui, bon bah écoutez, j'ai le droit de trouver des trucs cool, hein. Elle ne peut pas habiter toute seule, elle n'est qu'en CM1. L'assistante sociale qui s'occupe d'elle lui a dit que maintenant, elle irait habiter chez son oncle, le frère de sa mère. Oui, bah ça avait l'air cool. Ce que vous voulez que je vous dise. Donc, on a des petites illustrations comme ça, et il y en a des grandes aussi que j'ai vues. Ouais, il y en a des très grandes même. Voilà, je suis essoufflée déjà parce que je reviens à peine d'avoir récupéré mon colis et qui fait toujours 40 degrés. Et aussi parce que j'ai pas vraiment le temps, enfin mon café va être froid en fait. Je peux plus m'empêcher de vouloir ouvrir le truc maintenant, mais mon café va être froid. Donc bref, c'est quoi tout ça à la fin là? Bref, donc ça fait 104 pages, mais à la fin on a un truc comme ça là. Et je sais pas, c'est chelou, je vais vous montrer une des pages de la fin, mais... Bref, je sais pas trop ce que c'est, mais je verrai. Je pris ça, je sais pas trop si je vais le mettre dans l'appel du Pumpkin, mais je savais pas qu'il existait et quand je l'ai vu, je l'ai pris parce que j'adore cette collection. Donc c'est Les chanteuses et musiciennes vues par un ado de Sophie Adrie Hansen. Vous savez, c'est la collection chez Poulpe là, chez Poulpe Édition. Il y a plusieurs personnalités, il y a Cléopâtre, il me semble qu'il y a Molière. Il y a Léonard de Vinci, il y en a plusieurs comme ça. Et puis après, il y a des espèces de hors-série avec plusieurs personnes, comme ça. Du coup, ça avait l'air cool. Voilà. J'ai aussi pris celui-là, même si on rentre pas dans la catégorie, mais... En fait, je savais pas combien de pages il allait faire. Et là, je vois qu'il rentre pas dans la catégorie parce qu'il fait 284 pages et que c'est quand même de l'adulte. Mais bref, c'est Meurtre en Mésopotamie de Agatha Christie. Peut-être qu'il sera quand même dans la page du King au final, mais pas dans la catégorie des petits livres. Il y en a plein, oui, on n'a pas fini. Non, mais je vous le dis, on a fini. Ensuite, j'ai pris Star Friends, le tome 1, Le miroir magique de Linda Chapman. Waouh, c'est écrit gros, les marges sont. Enfin, c'est pas les marges, c'est les interlignes qui sont très gros. Ça fait 169 pages, donc il est plus gros que les autres. Mais en vrai, les interlignes sont. Gros. Par contre, il n'y a pas d'illustration. Non, il n'y a pas d'illustration. Donc c'est en tome 1, il y en a déjà 3 de sorties, ou moins de prévues en tout cas. Bref, lors d'une promenade en forêt, Maya rencontre un adorable renard aux yeux indigo qui parle. Si ça, c'est pas une phrase digne du Pumpkin, je sais pas ce que c'est. Non mais vraiment, je suis désolée, mais à un moment donné. Voilà. Ensuite, ah oui, ça avait l'air trop cool. Ouais, je suis une grande enfant, au cas où vous l'auriez toujours pas compris. Donc, Geronimo Stilton, l'escape game infernal. Donc c'est le tome 1 de... c'est pas écrit. Pourquoi
vous écrivez pas les noms des gens dessus, ça se fait pas. Dedans, c'est pas écrit non plus. D'accord, c'est juste marqué Albin Michel Jeunesse. Ouais, c'est cool, mais qui a fait ça? Ah, texte de Geronimo Stilton. Ah bah oui, d'accord, c'est marqué en gros. En fait, je croyais que c'était le titre, mais en fait, c'est le nom de l'auteur. Donc c'est l'Escape Game Infernal de Geronimo Stilton. Bref, voilà. Donc apparemment, on va suivre des animaux qui font un escape game. Et c'est peut-être pas une grande surprise pour vous, hein, étant donné que j'adore les énigmes, mais effectivement, j'adore les escape games. Voilà, c'est pas vraiment illustré, chercher une page à vous montrer, mais voilà, c'est plutôt des trucs comme ça. Franchement, ça va se lire très vite. On est sur combien de pages? On est sur... je sais pas trop. Attendez, je galère. 115 pages. Ensuite, il en reste deux, a priori, et après c'est des graphiques. Ah oui, ça avait l'air génial, ça aussi. Ouais, non, mais je... j'ai mis plein de trucs dans mon panier et après j'en ai retiré parce que ça faisait vraiment beaucoup trop. Non mais sachez-le, je vous le dis. Donc, les enquêtes de l'inspecteur 00. Je sais pas pourquoi je le lis sur le dos, mais bref. Le tome 1, c'est qui a volé les rayures du zèbre. Ça a l'air déjanté. De Richard Petitsigne et Elena Dupressoir. Richard Petitsigne, j'ai déjà un livre de lui. Il me semble que c'est aussi lui qui a écrit le truc des squelettes là, chez Gullstream, c'est le même éditeur. Voilà. Ça avait l'air cool. J'ai pas besoin plus que le titre quoi. Il y a quelqu'un qui a voulu les rires du zèbre et on va chercher qui a fait ça quoi. Enfin voilà. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations parce que je vois. Il y en a quand même quelques-unes. Ça reste de la jeunesse chez Gullstream donc il y a des illustrations. Mais il n'y en a pas énormément. Voilà. Il y en a quelques-unes. Enfin, je ne sais pas si je vous le montrer non plus. Et ça fait 150 pages. Tu vois comme ça? C'est ça. Ça fait 150 pages. Donc parfait. Et le dernier livre jeunesse que j'ai pris... Oh là là, il est... Non, la page, elle est toute pliée. Bon, c'est pas dramatique, mais quand même, ça ne se fait pas d'envoyer des pages pliées comme ça. Alors, celui-là, mon Dieu, ça s'appelle... Je vais le dire avec l'accent. Dragon Girls. Dragon Girls, quoi. Enfin, Dragon Fille, enfin bref, t'as compris. Anima, le dragon d'or de Madi Mara. C'est le tome 1. Je pense que le titre de la saga, ça doit être Les Dragons étincelants, le tome 1, Dragon Girls. Ouais, je vais le dire en français, c'est mieux. C'est chez Pocket Jeunesse et c'est un format moitié... un semi-poche, je dirais. Franchement, c'est trop cool. Voilà. Vraiment, ça a l'air trop cool. Il y a ça aux entêtes de chapitre, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des illustrations. Ah si, il y en a. C'est en noir et blanc. Mais c'est cool. Ils sont trop mignons, ces dragons, là. Vraiment, j'adore. Et ça fait 111 pages. Franchement, ça a l'air trop cool. Et, parce que j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai rajouté des graphiques. Je sais pas si je vais réellement attendre le pumpkin pour les lire. Peut-être qu'il m'en restera un ou deux au moment où le pumpkin va commencer. Peut-être que j'aurai déjà tout lu, notamment sur le week-end ami que je vais faire là au mois de juillet. Mais bon, bref, j'ai pris T-Zombie, le tome 3, Ami Mortel de Cazeneuve, Jack Moore et William. J'ai pas trouvé le tome 4 d'occasion, du coup je l'ai commandé 9 sur 2 filtres. Mais du coup ma commande de filtres, je sais pas trop quand est-ce qu'elle va arriver. Mais voilà, la couverture est trop belle, j'adore. Lui, j'aimerais vraiment beaucoup le garder pour le pumpkin, ça serait vraiment cool. Et après ça... Oui, écoutez, j'en ai repris 3, voilà. Du coup, 9, ils valent 16,90€, je crois, un truc comme ça. Je sais pas combien je les ai payés d'occasion, mais bref, voilà. Faut que je retire cette étiquette-là, que je trouve dégueulasse, là, ça va pas du tout. Et en plus, elle est sur tous les livres, hein. Vraiment, je les avais déjà retirés des autres. Donc, c'est la collection Harry Potter au cinéma. Donc, le tome 4, je sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir nous raconter là-dedans, mais le tome 4, c'est les élèves de Poudlard. Si j'avais... J'aurais pu pas le prendre, celui-là. Mais tant qu'à avoir la collection, bah, autant tous les avoir. Mais surtout... Attendez, je vais vous montrer. C'est le genre de saga, je vous l'avais montré pour les 3 premiers. Que quand tu les mets côte à côte dans ta bibliothèque, ils font un dessin, tu vois. Vous voyez, ça suit. Du coup, s'il m'en manque un, ça va pas. Ça va faire l'intro. Pas possible, ça. Donc je sais pas trop ce qu'ils vont nous raconter là-dedans sur les élèves de Poudlard. Peut-être comment ils ont casté les acteurs. Je sais pas, mais en tout cas,
Voilà. Ensuite, le tome 5, c'est les compagnons, les plantes et les métamorphes. Donc, vu la couverture, à mon avis, bah, on va avoir aura à grippe sec. À grippe sec ? Oui, pardon, je m'interromps moi-même parce que je suis en train de monter cette partie de vlog, mais j'ai dit grippe sec ! Mais j'avais pas tout mon cerveau, c'est pas possible. J'ai fume sec, c'est fume sec sur la couverture. Grippe sec, ça existe pas, grippe sec ! Non mais ça va pas, j'ai pété un plomb, vraiment. Bon, je fais pas plus long parce que je sais que le vlog est déjà très long, mais j'ai vraiment grippe sec, ça va pas, j'ai un problème dans ma tête. Donc c'est fume sec sur la couverture, hein. Voilà, je vous laisse avec la fin de l'unboxing. Et peut-être genre Croutard, Edwige et bah, les 5, ils sont 5 je crois. Le Lunar, Queue de Verre, machin, bidule. Lunar, Queue de Verre, 1 et Corne de Rue. Pourquoi il m'en manque un? Lunar, Queue de Verre, Pâte Molle et Corne de Rue. Non, ils sont que 4. Peut-être qu'ils vont parler... Non, bah non, j'allais dire peut-être qu'ils vont parler de Rita aussi, mais non. Parce que Rita Skeeter, elle est métamorphe, mais que dans les livres. Bref, et le tome 6, évidemment, le tome 6, c'est le château de Poudlard. Voilà. Du coup, voilà. J'ai pas mal hâte de savoir notamment comment ils ont géré les escaliers qui bougent tout seuls. Je vous avoue que s'il n'y a pas cette information-là là-dedans, ça va me gonfler. Et les tableaux aussi, comment ils ont géré tous les tableaux qui bougent en même temps. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, mon café va être vraiment... froid, et je m'engage à mettre tous les liens de tous les livres que je viens de vous montrer et des livres que j'ai reçus de France Loisirs dans la barre d'infos. Voilà, tous les liens seront dans la barre d'infos si jamais il y en a un qui vous intéresse. Mais vous les reverrez probablement dans la pile du Pumpkin, comme je l'ai dit, et donc vous me verrez les lire bah, au courant du mois de septembre, octobre ou novembre. On est mercredi, jeudi, mercredi. Je crois qu'on est mercredi. En vrai, ça n'a pas grande importance pour vous, mais je crois qu'on est mercredi. Et il est 14h45. Waouh, je suis sortie de ma grotte hyper longtemps quand même, parce que je suis partie ce matin à 10h. Je sais pas, j'ai eu une envie soudaine de faire du shopping, ce qui m'arrive jamais, mais comme c'est les soldes, c'était pas plus mal. Bon, j'ai pas acheté 56 milliards de trucs non plus, mais bref, par contre, je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté parce que ce vlog dure déjà 1000 ans, mais je vais unboxer ça, parce que au passage, j'ai été récupérer ma commande de citre qui était dans le relais colis, hein. Voilà, enfin le locker précisément, bref, on s'en fout. Et ce sont des livres, je sais ce qu'il y a dedans, hein, précisément, puisque je m'en rappelle, il n'y a pas grand chose dedans. Et ça va clôturer ce vlog sur la préparation du pumpkin, vlog qui est déjà bien assez long comme je l'ai déjà dit. Bref, j'ouvre ce truc. Donc j'ai pris sur le site de De Citre, en gros, ce que j'ai pas trouvé sur Gibert. Donc que je vous l'ai dit, du coup j'ai pris le tome 4 de T-Zombie, donc Monde Cruel, toujours de Cazeneuve, Jack Noir et... William, voilà, c'est le dernier qui est sorti, je sais pas si c'est le dernier de la saga ou s'il y en aura d'autres, mais en tout cas pour l'instant il n'y en a pas d'autres de sortie, et c'est sorti en 2020, donc a priori la saga est finie, donc c'est cool, j'aime toujours autant les couvertures, je trouve ça génial. Bon, je l'ai pris parce que je voulais avancer dans la saga et parce que je veux la finir du coup, mais aussi parce que bah, ça se passe dans un cimetière, donc pour le Pumpkin c'est franchement pas mal. Et je suis un peu dégoûtée parce que c'est marqué... Ah non, je croyais que c'était une planche de stickers, mais en fait c'est un énorme stickers. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma tête, le truc est énorme, vraiment. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Je pensais que ça serait une planche de stickers, mais voilà. C'était le même prix, je crois. Mais en tout cas, la BD seule sans le sticker, c'était pas dispo. Donc en gros, j'avais le choix entre ça ou alors j'achetais pas la BD. Bref, et j'ai pris le tome 13 de Sherlock Lupin et moi, donc le souterrain mortel de Irène Adler, qui est un pseudonyme pour deux auteurs masculins, je rappelle. Bref, ça fait 254 pages. Je sais pas réellement si je le mettrais dans la catégorie des petits livres pour le Pumpkin, mais quoi qu'il arrive, je voudrais avancer dans cette saga, parce que ça fait un moment que j'ai lu le tome 12, et du coup il me le fallait. Et comme j'avais le tome 15, je me suis dit que j'allais aussi prendre le tome 14, qui s'appelle À la recherche de la princesse Anastasia, et comme ça, peut-être, je lirai un tome par mois. Donc un tome en septembre, un tome en octobre, et un tome... en novembre, et celui-ci fait 252 pages. Donc, voilà, c'est tout. Je vais aller finir de monter ce vlog parce que c'était pas prévu, mais finalement je pars demain. Et du coup, début de semaine prochaine, en fait, je pars demain tout le week-end parce que c'est le 14 juillet pour moi là pour vous situer. Du coup, tout le week-end, je suis pas là. Je sais pas quand je rentre, peut-être samedi, peut-être dimanche, peut-être lundi, j'en sais rien, mais je sais pas quand est-ce que je rentre. S'en fout, je travaille pas. Et je repars samedi prochain. Et je suis à la ramasse en termes de montage pour vous donner un ordre d'idée. À l'heure où je vous parle, on est mercredi.
Oui, parce que je pars jeudi, donc ça serait bien qu'on soit mercredi et pas jeudi. Non, mais ça serait bien que je vérifie quand même les jours. Bref, on est mercredi, la vidéo qui sort dimanche, elle est pas montée. Voilà, donc il faut que je m'en occupe. Voilà, du coup, il faut que je fasse du montage et tout. Que je m'occupe du vlog, de la vidéo de dimanche, de la vidéo de mercredi, peut-être de la vidéo de dimanche d'après si j'ai le temps. Bref, en fait, je suis autant en retard parce que j'avais de la flemme. Voilà, faut aussi que je fasse la vaisselle si jamais ça vous intéresse, parce que là, c'est catastrophique, hein. J'aurais dû déjà la faire hier, j'étais pas fait. Bref. Faut que je fasse plein de trucs, et au lieu de faire tous ces trucs aujourd'hui, et ben je me suis barrée, j'ai été faire du shopping. Non mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Bref, ce vlog est beaucoup trop long, j'ai hésité à couper un peu plus dans la partie où je parle de Grey's Anatomy, mais finalement j'ai tout laissé. Donc c'est pour ça qu'il est aussi long, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous voulez réagir en commentaire, comme d'habitude, n'hésitez pas. Bref, je m'arrête là, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit, ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.